Bonjour, je vais essayer de vous présenter rapidement, sans trop de détails techniques, comment fonctionne grosso modo une monture équatoriale. À supposer que là, elle soit bien de niveau, que l'axe que je vais vous montrer soit bien orienté direction l'étoile polaire, cet axe. Donc, il doit faire le même angle par rapport au sol que la latitude du lieu sur lequel le télescope est posé. Nous avons aussi un axe de déclinaison qui est celui-là. Et je vais essayer de vous montrer qu'il est réglé à peu près à la déclinaison du Soleil actuellement, par exemple, qui est de l'ordre de 22 degrés. Voilà. Donc, ceci étant fait, on peut supposer maintenant que si le soleil se lève le matin il se lève par là-bas et va suivre toute la journée un arc de cercle et nous pourrons le suivre. Là, nous allons arriver au moment de la nuit où il se couche de par là-bas. Il passe en dessous de nous, là-bas, et revient le lendemain matin avec un léger décalage non suffisant pour être visible avec l'axe de déclinaison. Voilà. Ceci, c'est ce que j'appelle tourner autour de nous. Ceci, c'est ce que j'appelle tourner autour de nous. Merci.